Bonjour. Donc après avoir fait quelques corrections sur le système en fait de filetage avec remontée automatique de l'outil, là je remonte en fait le système. Bon, il y est sur la vidéo précédente, là on peut le regarder, le voir. Hein. Voilà, donc je le répète, c'est très simple. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Là. Voilà le système. En fait derrière, moi j'arrive pas à me caler. Voilà. Là on voit en fait. Donc cette plaque qui maintient l'outil, celle-ci me permet en fait le réglage pour justement le problème que j'avais quand j'ai fait les tests sur la dernière vidéo. J'avais l'outil qui descendait pas assez. Donc parfois il fallait que je l'aide. En fait c'est cette molette derrière qui était pas assez serrée, trop serrée, pardon. Voilà, donc je repositionne l'outil. Voilà, j'ai fait donc trois pièces. Donc une en pomme, matière plastique, très dure mais c'est de la matière plastique. Ensuite, une en laiton et la dernière en acier. Donc, on va faire un test. Donc là, on sera sur du M10. Donc là, il a la cote. Chaque œil est à la cote pour avoir le filetage. Voilà, donc, on va essayer. Donc, au préalable, on va faire un tour à l'arrière au niveau des pignons. Donc, au niveau des pignons, j'ai sorti deux pignons. On va voir ça sur ce. Pareil, il y a une autre vidéo là-dessus hein, sur ce système en fait d'aide au filetage. Donc là, je ne sais pas si je peux avoir une bonne mise au point, mais ça va. Donc ici, j'ai fait quelques petites corrections et quelques améliorations, pardon. C'est un peu embêtant ça, ce système de luminosité. Bon, allez, mais il veut pas, il fait une mise au point sur ma main et il perd l'écran. Bon, c'est pas important. Donc ici, en fait, maintenant, si je mets du M10, je peux prendre l'ascenseur. Hein. Bon, hop, je mets du M10. Et quand je mets du M10, automatiquement à droite, ça me renvoie le pas, puisque là je suis sur du pas 1,05, ça me le renvoie ici. Si je prends du M12, eh bien ça me le renvoie ici, comme ça j'ai pas besoin de demander. Voilà. Et ici après, par contre, je peux passer de 5 dixièmes de 5 centièmes en 5 centièmes si besoin est, si un jour je tombe sur des pas particuliers. Voilà. Donc je peux toujours avoir la profondeur. Donc là, je reviens sur mon M10. Donc le M10, c'est du 1,5. Et là, en même temps, j'ai rajouté en fait les pignons à mettre. Donc là, j'ai du M5. Donc je ferai un système de renvoi parce que pour l'instant, bon, c'est pas fait, hein, j'ai oublié. Donc de repartir sur le pignon en gros ici là. Donc du 1,5. Voilà, de me ramener ici. C'est plus facile, c'est plus lisible. Donc ici, j'ai le 45. Donc j'ai bien le 45, le 120, le 100 et le dernier, le 50. Donc on voit bien, j'ai pris le 45 et le 50 ici. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, pour la profondeur, j'avais dit le M10. Donc en profondeur, je suis à 0,93. Voilà, donc là je suis en profondeur à 0,93. Je le rappelle au rayon. Voilà, on va revenir sur la partie avant. Donc je vais commencer par la partie la plus tendre, en pomme. Et ensuite, j'attaquerai le laiton et l'acier en dernier, le plus dur. Donc alors, je positionne la pièce, je ne fais pas un centrage parfait, parce que je n'ai pas une réelle utilité de ça. Donc même si un petit décalage de quelques centièmes, c'est pas grave. C'est juste pour le test. Voilà, donc j'ai ma pièce, je vais essayer peut-être de la scotcher un peu plus. Comme je fais une démo, de ne pas avoir de problème, que j'ai le temps de m'arrêter. Mais là, j'ai largement le temps, s'il y a un problème, de m'arrêter. Donc, je positionne l'outil. Voilà, alors là, je vais allumer. Là, j'ai mis une pédale, en fait. Hein, j'ai la pédale qui est connectée. Donc, voilà, j'arrêterai à la pédale au pied. Donc, j'embraye. Voilà, il n'y a plus qu'à partir. C'est parti. Là, je suis dans le mauvais sens. On repart. Voilà, je ne sais pas si on voit le début du filet ici. Je pense que oui. On verra ça parce que là sur l'écran, le retour. Je vais essayer de faire une mise au point uniquement là-dessus. Voilà.
On verra ça le résultat par la suite. Donc je ne touche pas, je recule pas le chariot. Je reviens. Alors j'ai fait une dégorge des dégagements, bien entendu, surtout pour une démonstration comme ça. Voilà. Donc j'arrête. Alors bien entendu, j'aurais pu placer... J'aurais pu placer ça, en fait, c'est la butée du traînard électrique. Donc je place ici, et voilà. Seulement ça m'aurait obligé d'enlever la bavette dans l'immédiat. Et pour la démonstration, je préfère éviter tout ce genre de petits accessoires supplémentaires. Dans l'immédiat, je reste comme ça, c'est plus simple, j'ai une plus grande vigilance. Yep. Parce qu'on filme, on a toujours un œil sur la caméra ou ailleurs, on n'a pas la concentration absolue. Donc vaut mieux assurer. Alors je continue, donc là j'avance, je vais avancer d'un dixième, 1,5. Bon, c'est du plastique, je peux faire de 2 dixièmes, il n'y a pas de souci. On verra bien d'ailleurs comme ça, ça sera. Ouais, c'est-à-dire c'est le plastique qui... C'est le tort. Ça, il fallait s'en douter. Ouais, le plastique fléchit dès le départ. Ok. Bon, je vais pas bouger, je reste sur la même passe. Ok, donc là je suis dans le filet, en plein milieu, je repars. Voilà. Allez, on va avancer d'un dixième. Alors après j'essaie de faire un montage, peut-être il y aura des parties qui seront coupées pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais là il y a une flexion de la matière, hein, bien même. Là, disons que j'ai de la longueur là. J'ai peut-être un peu trop de longueur, surtout pour cette matière là. Allez, on repart en arrière. C'est sûr que si j'avais placé la butée, peut-être que ça aurait été mieux. Donc là, ce coup-ci, ça a l'air de bien fonctionner, j'ai pas de problème. L'outil redescend bien. Donc là, on voit bien quand même l'outil qui remonte. Alors l'outil, hein, il ne fait que reposer, il y a vraiment quelques grammes, hein, puisqu'en fait, il est tenu derrière, donc il y a juste la pointe et c'est vraiment très léger. Au toucher, c'est vraiment, je pense qu'il y a quoi, 30 grammes, 20-30 grammes de pression dessus, pas plus. C'est insignifiant. Allez, on avance encore. Là, ça rentre bien. Il n'y a pas de souci. Il y a un peu de flexion dans la matière, mais c'est normal, vu la longueur. Mais bon, j'ai pas d'utilité, hein, de cette pièce. C'est vraiment une démo, donc ça pose aucun problème. Allez, hop. On avance encore un peu. Oui, on voit bien la flexion. Mince, j'ai appuyé sur la pédale sans faire exprès. Voilà. Oui, il y a de la flexion, même avec le doigt, c'est normal, vu la longueur, il y a un porte-à-faux. Allez, on avance. Là, ça creuse un coup. Bon, on voit quand même la rapidité pour faire un filetage. Hein. Bon, après, on verra sur les autres matières.
Donc là, j'avance pas. Au milieu de la flexion, je vais essayer de rattraper. Là, carrément, j'arrête même pas. Hein, je passe, je change le sens de rotation. Alors là, je voudrais voir, parce que je suis pas loin normalement. Il faut que je prenne un écrou de 10. 2, vas-y. On va voir. Ah. Non, c'est pas bon. Je vais avancer. Bon, je suis pas loin normalement. Bon, j'ai la pointe de l'outil quand même qui. Ah oui, non, mais. Là, c'est pas bon ça. Mais j'ai trop de flexion en fait. Alors j'ai prévu, c'est prévu dans mes projets, je termine ça. Donc dans mes projets, c'est prévu de faire un système en fait avec la butée, dès que ça termine, dès que ça arrivera dans la gorge en fait, je le prévoirai. Et à ce moment-là, ça fera un aller-retour et ça me laissera une marge pour avancer l'outil chaque fois. Donc je prévoirai tant de centimètres par rapport au pas, hein, à la longueur du pas. Et à ce moment-là, le tour passera en avant en arrière automatiquement, donc chaque fois moi j'avancerai jusqu'à la fin et ça, et lui dès qu'il arrivera dans la gorge il repartira en arrière puisque l'outil se relevant ça pose aucun problème. Ouais, maintenant on va essayer voir si ça fonctionne. Ah, j'ai trop de flexion là. Au fond, je vois bien à l'œil que ici le filet il est bon, mais au début, voilà, il y a trop de flexion. Voilà, et puis là, je creuse le trou. C'est pour la démo, on dira. Tous les cas, en même temps, ça me permet de bien tester. Hein. Ça c'est quand même assez impressionnant de voir qu'on peut revenir en arrière comme ça. Là je vais aller jusqu'au bout. Donc là il n'y a plus de flexion apparemment. Là c'est parfait. Voilà. Ouais, impeccable. Voilà, bon là c'est impeccable pour cette matière. Donc je vais sortir. Je vais la sortir. On va essayer de voir. Il y a tout qui tombe. Donc je fais attention parce que je suis derrière la caméra, je ne voudrais pas toucher. Voilà. Donc là on voit, hein, c'est vraiment, c'est très fluide. Le pas est parfait, il n'y a pas de jeu dans le pas. Ça ne bouge pas. Bon, ça a été un peu laborieux quand même.
Parce que normalement, on ne travaille pas avec autant de longueur hein, qui sort du mandrin. Surtout pour un fil, surtout pour la matière, pour cette matière. Voilà, je vais essayer de faire une mise au point uniquement mince. Voilà, c'est quand même propre. Ouais, puis il faut voir, c'est rapide surtout. Alors maintenant, on va essayer avec du laiton. Donc je place la pièce. Bon, pareil, je ne la centre pas parfaitement, c'est pas important. Ça aussi, ça joue, hein. C'est certain que là, je dois avoir peut-être des fois plusieurs centièmes, voire pas loin d'un dixième. Surtout que cette pièce-là, bon, c'est une chute, je ne l'ai même pas rattrapée là. Donc on va vérifier. Je vais remettre l'outil à zéro. Je vais débrayer pour vérifier que je la marche. Je pourrais la rentrer un peu plus ici. En théorie, si je me remets à zéro, je devrais être bon. Voilà, là au vernier, je suis à zéro, gros. Donc ça devrait être comme tout à l'heure, puisque c'est le même diamètre. Allez, j'embraye et on attaque le jeton. Je vérifie que tout fonctionne bien, pas de soucis, ça ne touche pas. Là, par contre, je vais mettre légèrement d'huile de coupe. Allez, c'est parti. Bon, là, ça n'a pas touché. Donc, je reviens. Oui, on voit déjà que en fait ma pièce n'est pas bien centrée puisque ça a légèrement touché d'un côté, pas de l'autre. Mais bon, c'est pour le test, hein, c'est pas. Et là, je prends un dixième. On repart. J'avance un peu. J'avance encore. La gorge n'est pas assez profonde, hein. C'est pas grave, je commence à rentrer dans la gorge. Mince.
D'habitude, je recule l'outil. Heureusement que j'avais un lien électronique, parce que sinon. Je suivais un lien là. Allez, on repart. Là, je fais une passe sans avancer parce que j'ai même plus trop creusé. Donc, on va vérifier. Mais je suis pas bon. J'ai encore le dixième à prendre. Moi, je préfère vérifier avant. Ouais, je sais pas. Le prochain passage, c'est bon. Doucement, tout à faire deux passages. Voilà, c'est bon. Je vais juste faire un passage sans avancer. On voit bien l'outil qui remonte. Là, il descend très bien, il n'y a plus aucun souci. Voilà, c'est impeccable. Voilà, impeccable. Donc, on va attaquer l'acier. D'abord, on va regarder de près. Et c'est propre. Oui. On va regarder ça. Bon, là. Donc, voilà, aucun souci, hein. Impeccable. Alors, on va voir de près. Je vais essayer de faire une mise au point. Si ça veut bien obéir. Je ne sais pas si on voit bien. Sur le retour là, j'ai pas l'impression, mais bon, c'est trompeur parce qu'il y a des reflets. Bon, sinon c'est parfait. Hein. Là, le filetage sur le laiton, il est parfait, hein. Vraiment parfait, propre comme tout. Ah ouais, c'est très très propre. Voilà, allez, on attaque l'acier. Je le remontre une dernière fois quand même. À chaque fois que je touche, ça bouge, c'est ça qui m'éteint. Voilà, je vous montre l'écrou. Allez, on attaque l'acier. On va faire une mise au point sur le membret maintenant quand même. Voilà. C'est la caméra qui me gêne là, c'est pas évident. J'essaie de centrer la pièce du mieux que je peux, rapidement.
Donc là, je vais revenir à zéro. Je vais débrouiller d'abord. Bon, ça va, j'ai le temps de dégager. Là. Pas de problème. S'il y a un problème. Voilà. Donc, on va partir avec un dixième. J'espère que ça ne fera pas trop. Là, par contre, on va mettre. Je suis allé fort. Allez, c'est parti. On va d'abord envoyer. Là, on voit bien, là, c'est, ça a bien marqué. Donc, retour. J'ai failli encore ramener le chariot. Donc là, ça marche parfaitement, j'ai aucun souci. C'est propre. Sur la scie, on va y aller un peu doucement quand même. Alors on voit bien l'outil remonter, on entend même le clac chaque fois. Rien que les copeaux, ça le fait remonter. Ça montre à quel point c'est très sensible et très léger. Hein, parce que le copeau s'en va pas, mais il fait monter l'outil. C'est-à-dire c'est bien équilibré. Bon, ça, je ne l'avais pas calculé. Ça s'est fait par l'effet du hasard. Alors, on va avancer. Peut-être faire les passes un peu plus conséquentes là parce que je vais prendre un dixième. Faut savoir que c'est prévu hein, sur le C4 de, pendant qu'il est en fonctionnement, dans un sens de rotation, de le faire aller dans l'autre sens pendant qu'il tourne. Bon, faut pas s'amuser à faire ça à 800 tours, mais là je suis à 100 tours, 100, 110 tours, il n'y a pas de souci. Ouais, j'avance. Donc là, on voit bien l'outil, il descend bien de suite, il est bien en bas, il rentre bien dans le filet. Et là, ça commence à bien attaquer dans la matière. On va peut-être faire des passes un peu moins importantes. Ah oui, là c'est vraiment un plaisir de faire des filetages. Il y a un gain de temps considérable. Il faut quand même être très vigilant. Bon, en temps normal, hein, on n'est pas avec une caméra, donc là c'est sûr il y a de la concentration un peu de partout. On essaie de faire court, ce qui n'est pas évident d'ailleurs. Et hop, je vais avancer un peu là. Un peu d'huile de coupe.
Mais là, on est sur l'acier, hein. Le coupe est impératif. C'est impératif. Ah oui, là, quand il faut repasser sur le filet, c'est vraiment une simplicité. Là, il y a un gain de temps considérable. Bon, là, je suis loin normalement, mais bon, je vais quand même vérifier. Je suis loin, mais bon, je préfère vérifier. Donc là, je suis à 2 dixièmes. Là, on entend bien sauter sur les copeaux, donc un moindre rien relève l'outil. Je vais tester. Je suis pas loin, mais je préfère vérifier. Ah, c'est la caméra qui me gêne, je suis embêté. Bien sûr, il y a encore du chemin. Oui, j'essaie de mettre la caméra au plus près pour qu'on voit bien. J'espère que la mise au point est bonne. Normalement, oui. Il a peut-être fait faux. Hein. Ah, mais c'est vrai que j'avais un défaut là, moi c'est pas grave. Ça gêne pas. Hein. Là, on le voit ici à l'usinage, j'avais un petit défaut. J'avais pris une chute, j'avais vu ça, mais bon. Ça peut pas gêner, hein, parce que c'est plus fin en fait. C'est au niveau du diamètre, c'est moins important. Ah, je suis pas gêné. C'est bizarre parce que quand même, je suis pas très loin. Hein. Là, je suis pas loin, mais j'y suis pas. Ah, ça passe pas. Normalement c'est 9,73, je vais vérifier. Mais c'est ça, c'est 93. 0,93. Donc là je suis à 0,85. Il y a encore du chemin. Thank you.
là je suis à 0,93. En théorie, si je suis bien parti au départ. Ça devrait fonctionner. Je vais repasser un petit coup pour faire le filet propre. Je vais d'abord juste. Le filet est bon, hein. Magnifique. Allez, hop. On va faire juste un petit passage. Je vais juste mettre un peu d'huile de coupe sur la pointe. Théoriquement, avec un pas de 1,5, la profondeur est de 0,93. Théoriquement, je devrais être parfait. On va voir ça. Non. Ouais, je suis pas loin. Je suis pas loin, mais c'est pas bon. Donc, je vais faire vraiment quelques centièmes. Mettre un peu d'huile de coupe. Là, il ne manque pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose. On va laisser comme ça. Je vais juste. On voit bien que l'outil est totalement libre en retour. Alors on va tester, on va vérifier. Parfait, impeccable. Ah oui, c'est impeccable. C'est propre. Non, là, il n'y a rien à dire. Donc, on va dégager l'outil. Là. Maintenant, j'ai terminé. On va sortir la pièce. On va le regarder de près. Vraiment propre. Je vais juste la passer un peu de white. Voilà, on va peut-être voir un peu mieux là. Là, on est vraiment en gros plan. Hein. Bon, ouais, c'est là cette petite marque. Hein. En fait, ça, c'est pas au filetage, ça, c'était la pièce qui était comme ça, au départ. Parce que c'est une chute, c'est un bout d'acier que j'ai récupéré. Donc là, on voit que c'est propre. Voilà, donc, les trois matières, pommes,
C'est impeccable. Parfait, merci Oula. Voilà. Donc, on peut constater que ce système fonctionne merveilleusement bien et que ça facilite un gain de soudure, ça facilite l'usinage et surtout il y a un gain de temps énorme. Et comme je dis, une grande facilité de fileter. Que faire du filetage avec ça, ça devient un vrai plaisir. Il n'y a plus aucune contrainte, ou quasiment plus aucune contrainte. Voilà, donc, ben écoutez. S'il y en a à qui ça peut donner des idées, s'y lancer, ben, le système, comme je dis, est très simple. Hein. Voilà, le plus dur, c'est de percer du HSS, c'est-à-dire l'outil lui-même, sur le sale. Ça, c'est difficile. Voilà, l'outil. Mais dans l'immédiat, ça, c'est très bien. Alors, je disais, le système est très simple. Hein. Donc j'ai cette plaque ici, là, ah oui, j'ai la caméra qui est mal placée, là, j'essaie de faire, je régule, bon, c'est pas grave. Donc ici, j'ai cette plaque qui vient me plaquer l'outil, donc moi j'ai l'outil qui vient là. Ici l'outil quand il descend, ben, là il est plaqué en bas, bon je vais pas tout démonter, mais il est plaqué en bas en fait, parce que lui c'est normal. Alors j'ai fait, si j'ai oublié de dire que là il y a un usinage en fait, j'ai enlevé de la matière ici sur le porte-outil, pour qu'il puisse monter, et j'en enlevais un peu en bas, donc derrière cette, la molette là, il y a un peu de matière légèrement, j'ai enlevé de mémoire, je crois que c'est 5 ou 6 dixièmes, mais c'est moins d'un millimètre en tous les cas. Voilà. Voilà, pour avoir, pour que ça dégage bien, que ça puisse bien remonter, sinon ça montait pas assez, j'avais pas assez de montée là. Et là, c'est parfait, j'ai aucun souci. Et après, quand il descend, mais lui, l'outil ne peut pas bouger, il est calé en bas, il n'y a rien qui bouge. Là, l'outil, il n'y a absolument rien qui bouge. L'outil, il est figé, il est calé. Voilà pour le système. Très simple, finalement, à faire. Et très pratique à utiliser. Et avec un gain de temps, comme je dis, considérable. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, selon l'heure. Au revoir.